Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une palette 3 looks avec cette palette. Donc, c'est la Morphe X Disney que j'ai reçue de la part d'Amy pour mon anniversaire. Donc, merci ma fofolle. Et elle me tentait bien. Je l'avais mis en wishlist. Elle l'a testée. Elle me tentait encore plus. Et du coup, elle me l'a offerte et quand je l'ai vue, j'ai dit « Waouh, elle est encore plus belle. Plus belle en vrai. Franchement, il y a des superbes teintes. Celui-ci, waouh. Et le bleu ici aussi, le rouge là, oh, j'en ai plein. Il y en a plein que j'ai envie de tester. Au départ, en principe, quand je fais une palette 3 looks comme ça, je commence toujours, enfin, ou un swatch de make-up, j'aime bien faire des formes assez basiques. Pour vraiment bien tester la qualité des fards avec un make-up que je fais quotidiennement pour pas, enfin quotidiennement, régulièrement pour pas avoir à me réfléchir. Mais là j'ai eu une idée, il faut que je le fasse en premier. Voilà. Donc on va faire un dans les tons verts bien évidemment, mais je pense que ce sera le dernier. On va faire un avec le rouge et le orange là parce que j'ai trop envie de les utiliser. Et on va faire un maintenant, violet, et avec le bleu ici, parce que j'ai très envie de le tester aussi. Et celui-là aussi. Enfin bref, j'ai tous envie de les tester. Donc pour le ratio, vous avez 35 fards. Le poids net est de 40,5 g. Il faut un peu plus d'un gramme. Vous avez 1, 2, 3, 4. Non. Il y en a plein des pailletés dedans. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mats. Vous avez 1, 2... Oui, je dois regarder. Hein. 3, 4, 5 mats pailletés. Et vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 irisés à peu près. Je crois que c'est un truc comme ça, un ratio à peu près comme ça. Voilà. Je sais que Amy a déjà utilisé le rouge et qu'elle a dit qu'il était bien rouge. Ce qui est assez rare dans les palettes. Donc, c'est pour ça qu'il faudra le tester. Mais là, on va commencer avec celui-là. Voilà. Donc, je vous laisse tout de suite avec les swatchs. Je me rapproche et on attaque le premier make-up. Alors, je vais tout de suite commencer par poudrer mon arcade sourcilière avec le Thumbs Up. Voilà, il est blanc grisé. C'est pas vraiment un beige. C'est pas vraiment un blanc. Mais je pense que ça peut le faire pour l'arcade. Donc, je vais commencer par faire mon creux et mon coin externe, puisqu'on fera le rapide après vu que j'ai les stick coach. Et je vais commencer avec le Goody, je ne sais pas si il y a des i de gravé dedans, qui est un violet, tout simplement. Je crois qu'il y a des petites paillettes roses dedans, ou alors c'est des paillettes qui ont sauté d'un pan à l'autre, je ne sais pas. Donc, je mets ça partout. Enfin, partout. Dans mon coin externe. Mon creux. Alors, la première fois que j'ai testé Morphe, c'était avec la James Charles et on n'avait pas été très copines toutes les deux là. Franchement, j'avais pas du tout aimé cette palette. Je l'avais pris avec la version mini et c'était une réédition. Et Manon a pas été convaincue par la 35i qu'elle a acheté aussi en réédition. Et franchement, je me demande s'ils gardent la même qualité quand ils refont. Une collection comme ça qui a été limitée et qui doivent la rééditer.
Alors, ensuite, je prends un pinceau. Bon, je vais garder celui que j'ai utilisé pour poudrer mon arcade sourcilière. Et je vais prendre la teinte Away Dacius. Raoul Dacius, ouais, à mon avis, c'est comme ça que ça se dit. Et l'autre, ça fait Raoul Gouli. Un truc comme ça. Enfin, bref. Qui est un petit parme un peu lilas. Donc, je vais m'en servir pour dégrader. Ah, on le voit en tout cas. Hein. Il est un peu grisonnant. Je me suis dit, vu que c'est pastel, on va pas voir, mais on voit. Very Vixen, ici, le prune. Ouais, ça a l'air d'être un prune un peu aubergine. Au prune. Que je vais mettre dans mon coin externe. Je fais un tiers de ma paupière ovale. Non, d'abord, je garde la même teinte, mais je prends un petit pinceau boule. Donc je garde la même teinte et je vais faire mon creux ici vers le haut. Je reprends le premier pinceau et je blende, mais juste à l'intérieur. Et puis l'extrémité ici. Donc ici c'est pas assez diffus. Donc je blende partout, j'ai rien dit. Et je vais prendre la teinte à côté ici, Outfloat, que je mets à la suite au centre de ma paupière. Bat sous slashis, un truc comme ça, je sais pas. Je sais pas ce que ça veut dire. J'ai déjà du mal à lire. Et je le mets dans la partie interne de ma paupière. Belle couleur là aussi, c'est une petite framboise comme ça, un bien. Donc on étire sur le violet et je peux déjà en profiter pour faire mon racine du coup, puisque c'est juste la partie interne. Alors je vais juste repasser un coup avec les autres parce que il y a certains endroits où j'ai des petites taches jaunes que je n'aime pas les taches honnêtes. Ok. Dans le coin interne, je vais mettre du coup le bleu ici. Alors je vais pas juste le mettre en coin interne, vous allez voir, je vais déjà le mettre en coin interne. Et je vais l'étirer ici. Entre les deux teintes, tout simplement. Ici on dégrade. En tout cas, il est bien lumineux, hein, beau, hein. Bien. J'aime bien bien. Alors, je vais juste blender un peu la fin ici. Ok, on verra pour les fioritures après. Tant que j'ai les scotch, je vais vite faire un trait de liner. Je vais essayer de le faire assez fin. J'ai à chaque fois ça, mais parce que là, la pointe elle est assez fine. Et ouais, enfin, je vais faire un trait de liner et je reviens. Voilà, j'ai donc fait mon trait de liner. J'en ai fait un dans le creux ici avec deux petits points à chaque extrémité. Voilà. Alors, on va pouvoir passer au radicé. Je prends pour commencer le petit pinceau boule et le violet le plus foncé. Donc, j'avais utilisé le Very Even, je sais pas quoi, Vixen, que je mets en partie externe de mon racine. Je suis descendue parce que le chien a aboyé et a entendu, et j'ai vu la camionnette du facteur, mais c'était pas pour moi. Et je fais ma bascule externe. Donc ici, je blend. J'essuie mon pinceau et je prends la teinte qui est juste à côté pour faire ici. Avec mon pinceau plein, que je vais essuyer un petit coup quand même, je prends le ici là, le Daisy. Ça s'appelle pas Daisy, mais bon. Pour dégrader ici.
On profite pour faire tout racine. Je reprends la teinte ici, un tout petit peu, pour faire en transition. Ok, je vais finir avec un coup d'estompeur propre, donc au-dessus et en dessous. On ne fait pas ici. Hein. Alors, je vais prendre un pinceau biseautier. Je reprends le Iconic Vibes, donc le bleu, le magnifique bleu. Et je vais faire une forme en triangle, comme ça, en parallèle des deux autres. Ici, ça fait un... Alors, je reprends mon petit pinceau où j'ai utilisé pour faire mon coin interne. J'en mets un peu à l'intérieur. Starring Contest, je crois que c'est ça, hein, pour mettre à la suite. Assez diffus, hein, beaucoup que... On étire bien. Je donne un petit coup d'estompeur. Ok, bon, je crois que pour les femmes, on est bon. Hein. Pour ce premier look, je crois qu'on est bon. Alors, en muqueuse, je vais mettre... Ouais, le Colourpop. Je crois que c'est Peppermint. Ouais, Peppermint, un truc comme ça. Je vais mettre du liner parti par là, du liner noir. Sur mes cils, je vais tester le... C'est Amy aussi qui me l'a donné, c'est le 5D Lash Pro Volumizing Mascara de Révolution. C'est le dernier qu'ils ont sorti. Après, je ne suis pas une grande fan des mascaras Révolution. Et sur les lèvres, je vais mettre le combo que j'adore en ce moment, enfin un de ceux que j'adore, le Soar et le Négligé des Baumes Hydratants de Huda Beauty. Je viens vous remontrer ce que ça donne et on passe au deuxième look. Alors, pour ce deuxième make-up, on va partir dans les rouges orangés. Voilà, j'ai envie. Surtout le rouge, j'ai très envie de le tester. Alors, je vais commencer par faire un creux large avec... le On The Dot, ici, le orange citrouille, on va dire. Et je fais donc un creux large, ma partie externe et mon ras de cils, comme d'hab. Un peu plus large, le creux large. J'aime bien cette teinte. Il faut que je change ma base. Parce que là, je suis en fin de tube et du coup, elle est plus assez homogène, je trouve. Voilà, on viendra continuer le travail d'estompe après. Donc je prends un pinceau plat et le rouge, qui est l'Ice Short. Comme ça, on va voir si c'est du rouge. Que je mets en partie externe de ma paupière. En aplat, c'est du rouge. C'est du Very Beau Rouge. Enfin, un vrai rouge. Je reprends le premier pinceau et je blende déjà sur ma paupière et l'extérieur. Donc on viendra jongler après avec les deux teintes pour faire un joli dégradé. Mais ce rouge est enfin un vrai rouge, mesdames et messieurs. Alors, je prends l'autre côté de mon pinceau plat que je m'essuie. J'ai perdu mon essuie.
Et je vais prendre le Sophiris. Que je mets en partie interne de ma paupière. Je les borde un peu dans le creux, hein, qu'on le voit quand même. Et c'est un des bois de sa mère. Pratique. Ça, c'est du orange néon. Hein. Je reprends toujours le même pinceau. Hein. Bah oui, on évite d'en nettoyer. Je suis pas honte. J'essuie mon pinceau. Je reprends la toute première teinte pour bien dégrader les bords partout. Alors, je vais réintensifier un peu le rouge parce que ben, il perd en intensité avec l'estompe, hein, ce qui est tout à fait normal, surtout pour le rouge. Du coup, vu qu'il y a du rouge rouge, je pense pas qu'elle soit vegan. Hein. J'ai pas pensé à regarder, mais ça m'étonnerait. Je finis avec un coup estompeur propre. Alors, je prends un petit pinceau précision et je vais mettre le Head Out, qui est la petite tête de Mickey jaune, en coin interne. Je vais également mettre au centre de mon routine, hyper poudre fure. Vous voyez, voilà la poudre. J'essuie mon pinceau. Je vais prendre le Ornit pour remettre par-dessus mon coin interne. Et je prends le Creative Collision. Pour mettre au centre de ma paupière. Non, j'ai mon doigt. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas utilisé mon doigt tout de suite. J'essuie mon doigt. C'est pas mon pinceau que j'essuie, c'est mon. Et je blinde. On va devoir y aller au pinceau plat pour blinder parce que il est assez compact et un peu humide. Donc je pense qu'il y a un agent liant dedans. Alors j'ai reçu mon pinceau plat et je vais prendre. Bah, je vais reprendre le premier ici pour mettre par-dessus l'autre pour le rendre un peu plus clair et lumineux. Voilà, c'est mieux. Je vais faire un trait de liner noir. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre en muqueuse, mais vous verrez quelle couleur. Hein. Je vais utiliser la poudre Meron pour faire des petits dessins argentés. Et sur les lèvres, je vais mettre le combo, un autre combo que j'adore en ce moment. Le Nabla Nude numéro 2 et le petit gloss champagne DHM. Je viens vous remontrer ce que ça donne et on passe au troisième look. Alors, pour ce dernier look, on va partir dans les verts. Oui, 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 obligé. Il y a du vert. J'utilise du vert. Voilà. Alors, je vais commencer avec un creux. Je prends le pinceau boule et je vais attaquer directement avec le Investigator. Ouais, j'ai envie. C'est un très beau vert sapin. Bon, j'ai changé de base. Et maintenant, on est un peu trop... liquide. Donc je fais une forme classique, un coin externe, racine. Je vais changer de pinceau, je vais prendre un plus bouboule, donc creux, coin externe, racine, c'est ça que je disais je crois. On part sur une forme classique, hein. J'en ai pas fait jusqu'à maintenant sur les trois looks. Donc. Bien sûr je commence déjà à dégrader doucement le bord. C'est une base neuve, elle est un petit peu plus collante que quand on arrive à la fin. Avant d'estomper le tour, je prends un pinceau plus précis et je prends le
Total Rebel. Donc c'est celui-ci. Alors il y a des paillettes hein, dedans, mais je pense pas qu'elle se voit énormément travaillant comme ça. Que je mette dans mon coin externe. Et en reste-t-il externe. Ouais, non. Appliquées comme ça, on les voit pas. Peut-être qu'en à plat, elles se verront. Comme ça, c'est pas flagrant. Alors, avec l'autre côté de mon pinceau, je prends le noir qui est le Play by Ear. Donc c'est pareil. Il y a des paillettes, mais ça se verra pas. Alors je ne vais pas en prendre trop. C'est juste vraiment pour foncer un tout petit peu le coin externe. Et je reprends le vert Total Rebel là. Pour garder le noir. Donc, je repasse juste par-dessus en fait. Oui, mon estomac fait des bouches là. Mais je viens de m'enfiler mon café cul sec. Donc c'est normal. Je reprends le premier pinceau pour blender. J'essuie mon pinceau et je reprends le investigateur, donc la première teinte qu'on a mis pour intensifier, éviter les taches. Je sais pas. Il n'est plus aussi vert bouteille qu'avant. Hein. Il a pris un peu une teinte bleu canard avec le bleu canard qu'on a mis en coin externe. Alors, du coup, je reprends ce pinceau-là pour bien dégrader le bord. Voilà, je l'essuie. Et je vais prendre le... Je vais prendre celui-ci, qui est le Original Artist, pour dégrader... dégrader, simplement. Alors oui, les gosses foutent le bordel, hein. Je ne sais pas ce qu'ils foutent. Au départ, je voulais prendre celui-ci, mais ça fera trop d'écart entre les teintes. Ah, ici, ça veut pas, hein, même avec une nouvelle base. J'ai vraiment, à mon avis, j'ai un peu d'eczéma ou un truc comme ça. Estompeur propre. Au doigt, je vais prendre le Into Mischief. Que je mets sur ma paupière mobile. Donc je mets pas en coin, hein. Je vais mettre finalement le vert comme ça en coin, ouais, sur un paupière mobile. Enfin, en coin interne. Oh. Je ne sais plus parler, mais alors cette teinte est magnifique. Je vais éviter de vous dire que pour un smoky, c'est parfait. Parce que je dis ça sur toutes les teintes d'or que j'aime bien. Avec le premier pinceau, je dégrade dans le creux ici et ici. Avec un pinceau plat, je prends du coup le Wild One, donc avec Donald qui travaille dessus. Donc c'est un vernis à paillettes que je mets dans la partie interne de ma paupière. Bon, un peu plus, histoire qu'il se voit quand même. Hein. Alors, est-ce qu'on voit les paillettes ? J'ai pas l'impression, mais souvent je vois pas comme ça sans mes lunettes. Je le vois au montage après. Donc vous me direz si vous les avez vues. Donc je vais quand même en mettre un peu en ratine ici. Et je vais également en mettre un tout petit peu ici sur la transition. Juste au-dessus. Faire un léger à peine. Que je viens blender. Pas trop hein, pour qu'ils se voient quand même. Je vais blender un peu ici. Hop. Voilà. Ça, c'est joli. Alors, coin interne. Je vais prendre le Max Power. Rose en vert. On va voir si on voit une différence d'ailleurs. Bon, c'est très 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 léger. Mais après, déjà dans le panneau, on voit que c'est léger. Hein. Mais ça se voit quand même un peu. Par-dessus, je mets le Staring Contest. J'adore ce fard pour quoi. Et à mon avis, un langue mousse, ça doit déboîter. Attendez, j'en chauffe un. Vas-y. Ah ouais, ça fait des pétouilles de ouf. Alors, j'en prends encore un peu pour mettre au centre. Pétant. J'adore.
Mon téléphone vient de se verrouiller. J'ai pas envie qu'il se verrouille. Je prends un pinceau. Bon, je vais reprendre celui-là. Je reprends le fard qu'on va mettre au centre et je le mets sur les chemises. Retour des vermises. Non, 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 non. Voilà, voilà. Alors, liner, crayon, rouge à lèvres et tout ça, je ne sais pas ce que je vais mettre. Donc, je viens vous montrer ce que ça donne. Je vous dis ce que j'ai utilisé après et on parle de cette palette. Donc voilà les trois make-up avec cette palette Morphe. On va y revenir tout au fouet. Avant mes queues, j'ai fait un mix de ces deux-là de chez LA Girl. Le Pastel Dream Magic Mint et le Neon Shock Wave Aikocha. Je crois que c'est un truc comme ça. Voilà, et ça donne la couleur de mon gilet. Bref. Et sur les lèvres, j'ai mis le Cinnamon Bun. Voilà, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas mis et j'aime beaucoup, c'est vraiment un nude magnifique. J'ai pas mis de liner, j'ai juste fait des petites étoiles pour rappeler les petites étoiles du package avec cette palette. J'adore. Il y a vraiment les teintes que j'aime dedans. Il y en a encore plein que j'ai pas testé. Hein. On n'a pas utilisé celui-ci. Si peut-être, je ne sais plus. Je ne sais plus. Celui-là, on n'a pas testé. Ces deux-là non plus. Enfin, quoi que finalement, il n'y en a pas beaucoup. On n'a pas testé les deux bleus-ci. Oh, là, j'ai fait une trace. Celui-ci non plus. Les deux-là aussi. Mais bon, ça, pour une teinte de transition, c'est parfait. Mais j'en ai quand même testé pas mal, je pense. Hein. Je ne sais pas quel ratio j'ai utilisé sur la palette. Mais j'en ai utilisé pas mal. Alors, je la trouve hyper complète. Bon, après, pas si vous aimez le nude, hein, parce que question nude, vous êtes quand même vachement limité. Mais franchement, gros coup de cœur sur cette palette. Décidément, Morphe me surprend à chaque fois que j'utilise une de leurs palettes. Je vais vous comparer avec la 35i juste après. J'adore. Les fards se travaillent super bien. Ils se superposent bien. Ils sont bien pigmentés. Alors, certes, ils sont poudreux, mais pour moi, ça va de pair. Si vous voulez quelque chose de pigmenté, forcément, c'est poudreux. Il faut juste savoir les travailler et faire attention aux chutes. Chose que moi, je ne vois qu'une fois le montage. Hein, si jamais j'ai trop de chutes, mais voilà. J'adore. Le rouge est bien rouge. Oh, celui-là, il pète, quoi. Celui-là aussi, là, il y a un framboise magnifique. Celui-ci est magnifique. Celui-ci est magnifique. Celui-ci est sublime. Enfin, oh, j'adore. Amy. Merci, très joli cadeau d'anniversaire, je suis vraiment bien contente, je l'aime beaucoup. Alors, pour vous la comparer à la 35i, je vous remets les vidéos en lien avec cette palette, elle est beaucoup plus pastel, évidemment, c'est le thème. Il y a des fards que je pourrais pas m'en séparer parce que je l'aime de trop, il y a vraiment des fards que j'adore dedans, mais j'ai l'impression que c'est sa jumelle magnifique, en fait. Vous voyez, vous avez ici la pastel, ici la peps, quoi. Moi, je vois ça comme ça. Mais il y a des fards, vraiment, que je ne peux pas me passer dans cette palette, même si ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Mais vous avez des espèces de toppers comme ça, magnifiques, qui peuvent clairement servir d'highlighter. Vous avez les paillettes ici qui sont sublimes. Les mattes, j'aime beaucoup. Celui-ci, en smoky, il est divin. Enfin, voilà, franchement, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, mais il faudrait que je la réutilise. Rien que pour les lumineux de cette palette, ça vaut le coup. Voilà. Je sais que Manon a été déçue, elle, mais elle a eu la réédition. Je ne sais pas si c'est à cause de ça. Moi, je n'ai jamais été déçue par cette palette et je l'aime beaucoup. Après, il faudrait peut-être que je la réutilise parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Et c'est peut-être ça aussi. Hein. J'ai peut-être plus souvenir, j'ai peut-être trouvé mieux depuis. Mais celle-ci, magnifique, sublime,
J'adore. Merci Mimi. Merci, merci, merci mille fois Morphy. Franchement, entre celle-là, la Nikita, j'adore, je commence à vraiment apprécier cette marque. Sauf que je trouve qu'il y a aussi pas mal de sorties et que c'est très redondant. Je trouve que les collabs valent le coup, le reste, pas vraiment. Maintenant, la James Charles, c'était leur première collab quand même, je pense. Hein. Je vous dis, j'ai pas du tout aimé, mais pareil, j'avais eu une réédition et j'avais eu la mini. Enfin, j'avais acheté une. Hein. Donc c'est peut-être à cause de ça. Peut-être que les rééditions des éditions limitées. Dites-moi en commentaire si vous avez cette impression-là. Mais voilà. Donc voilà ce qui conclut cette vidéo avec ces trois looks. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous avez préféré. N'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve demain, je crois. Enfin, de toute façon, très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, moi je vous dis bisous, bisous.